Bien bonsoir à tous. Nous voici à nouveau réunis ce soir et nous avons changé de lieu. Après le presbytère Saint-Georges samedi dernier, et bien ce soir nous sommes à Sainte-Anne, sur la paroisse de Sainte-Anne-Maillé-Velfaux, parce qu'il nous fallait aussi honorer cette deuxième paroisse dont j'ai la charge. Et je vous avouerai que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Donc nous voici ce soir pour un temps de prière, comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière. Nous nous retrouvons pour un petit temps partagé ensemble. Alors bienvenue à vous tous, habitants des deux paroisses dont j'ai la charge, Notre-Dame de la Motte et Sainte-Anne-Maillé-Velfaux. Nous sommes déjà le 9 mai, c'est le mois de mai, le mois de Marie. Nous ne savons toujours pas si nous pourrons reprendre les célébrations pour la fête de la Pentecôte. Pour l'instant, nous en sommes restés au 2 juin. Le gouvernement doit à nouveau se prononcer et les messes de semaine ne pourront pas reprendre non plus avant cette date-là. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie. Alors, permettez-moi de vous lire un texte que j'ai trouvé récemment et qui nous invite à entrer dans ce temps de prière. Mais avant tout, si vous le voulez bien, retraçons sur nous le signe de la foi, le signe de notre baptême, qui nous mettra en communion les uns avec les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mois de Marie, le mois le plus beau. Chante la terre fleurie au soleil de mai. Que la douceur mariale, égrenée en chapelet, nous montre le chemin des jours nouveaux. Des enfants tendaient au bord des chemins des brins de muguet comme porte-bonheur, grappes de modestes clochettes pour inviter le monde du travail à plus de fraternité. Au mois de mai, sachons nous recueillir devant ceux qui sont tombés sous les casques et devant ceux qui, cachés sous les masques, n'auront pas de stèle au chant du souvenir. On dit que les larmes de Notre-Dame tombés au pied de cette croix infâme, en amis de muguet joliment fleurir, et donnèrent à la terre de reverdir. Il est vrai que les enfants n'ont pas vendu de brins de muguet cette année, parce que c'est une année particulière, mais puisque c'est une année particulière, peut-être que nous pouvons nous tourner vers Marie, prier avec Marie de manière renouvelée aussi. Et en ce mois de mai, nous retrouver avec Marie, c'est aussi se tourner vers sa mère. Marie, la mère de Jésus, et la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, peut avoir du sens. D'ailleurs, vous les voyez, elles sont réunies toutes les deux en haut de cette colonne. Alors, se tourner vers Marie, c'est peut-être aussi se tourner vers Sainte Anne. Et j'ai retrouvé ce beau texte d'une maman qui prie pour ses enfants, qui confie ses enfants à Sainte Anne. Ô glorieuse Sainte Anne, patronne des familles chrétiennes, je te présente mes enfants. Je sais que je les ai reçus de Dieu et qu'ils lui appartiennent. Aussi, je te prie de m'obtenir la grâce de me soumettre toujours avec eux à la divine providence. Daigne les bénir et, en te suppliant, de leur obtenir la bénédiction de Dieu. Je ne demande en leur faveur ni les honneurs du monde, ni les biens de la terre. Ma prière sera plus chrétienne et plus agréable à tes yeux si je me demande avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Je compte, bonne mère, que tu m'aideras à leur procurer ce qui est nécessaire pour leur assurer une existence digne. Imprime dans le cœur de mes enfants une grande horreur du péché. Éloigne-les du mal. Préserve-les de la corruption du monde, qu'ils soient toujours animés de sentiments chrétiens. Accorde-leur la simplicité et la droiture du cœur.
Apprends-leur à aimer Dieu uniquement comme tu l'as appris dès ses plus tendres années à ta fille immaculée, la bienheureuse Vierge Marie. Ô Sainte Anne, tu es le miroir de la patience. Obtiens-moi la grâce de supporter avec patience et amour toutes les difficultés inséparables de l'éducation de mes enfants. Bénis-nous, mes enfants et moi. Veille sur nous, ô bonne mère. Fais que nous aimions toujours avec Jésus et Marie, que nous vivions conformément à l'Esprit de Dieu, afin qu'après cette vie, nous ayons le bonheur d'être ensemble, unis à toi, pour toute l'éternité. Amen. Bien, cette prière à Sainte Anne, avec Sainte Anne, nous invite à prier pour nos familles, à prier pour nos enfants qui vont retrouver le chemin de l'école pour certains, lundi, mardi, tous ceux qui vont repartir au travail. Nous avons sans doute à nous porter les uns les autres dans la prière et à nous rappeler que ce temps de confinement qui nous a invités à veiller les uns sur les autres, eh bien, doit se poursuivre et doit continuer et que nous devons continuer de vivre dans la bienveillance. Vous le voyez en haut de cette colonne, quand on représente Sainte Anne, on la représente toujours avec Marie enfant. Elle porte un livre dans ses mains ou un rouleau de la loi, de la Torah. Parce que Sainte Anne est toujours cette mère qui enseigne la parole du peuple d'Israël à sa fille, à Marie, elle qui accueillera la parole et qui dira « Que tout se fasse pour moi selon ta parole ». Pour accueillir la parole, Marie est déjà à l'écoute. Alors avec le pape François, tournons-nous vers Marie. Marie, notre mère. Marie, femme de l'écoute, et demandons-lui d'ouvrir nos oreilles. Marie, femme de l'écoute, ouvre nos oreilles. Fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons. Chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus sans hésitation. Donne-nous le courage de la décision de ne pas nous laisser entraîner pour que d'autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aille en hâte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi dans le monde la lumière de l'Évangile. Amen. Cette prière avec Marie nous rappelle que la prière avec Marie, c'est la prière des pauvres, c'est la prière des petits. Il y a quelque temps, on me disait, mais pourquoi dans le chapelet, il y a 150 « Je vous salue Marie ». Il y a 150 « Je vous salue Marie » parce qu'il y a 150 psaumes dans le psautier. Et avec Marie, eh bien, c'est accueillir la parole, c'est prier avec la parole. Et les moines qui ne pouvaient pas lire au Moyen-Âge, eh bien, étaient tenus de remplacer chaque psaume
par un Je vous salue Marie. C'est comme ça qu'est né le rosaire. Le rosaire, c'est cette couronne, c'est cette rose de prière. Dans l'évangile de Luc, il y a un très beau texte qui est le Cantique de Marie, que nous prions dans la liturgie des heures tous les soirs, à l'office de Vêpres. Marie reconnaît la grandeur de Dieu. Marie reconnaît l'amour de Dieu et la miséricorde du Père. Alors, tout simplement, faisons nôtre ces paroles à la veille de ce dimanche, en écoutant, en priant, en accueillant les paroles de la Vierge dans le Cantique de Marie, au chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Avec Marie, prions le Christ, lui qui est notre vie, lui qui est notre résurrection. Et après chaque intercession que je lirai, nous pourrons dire ensemble, Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Nous te prions, ô Christ, pour ta sainte Église catholique. Sanctifie-la pour qu'elle annonce ton règne aux nations. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Nous t'implorons pour ceux qui subissent la maladie, le deuil, la servitude. Guéris-les, fortifie-les, délivre-les. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Nous te prions pour ceux qui ne suivent plus tes chemins, qu'ils découvrent ton pardon et la joie d'une vie nouvelle. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Pour nous pécheurs, nous t'implorons. Accorde-nous de trouver en toi, qui n'a pas commis de faute, un juge miséricordieux. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Pour tout homme en ce monde, nous te prions, ainsi que pour tous ceux qui nous ont précédés. Fils du Dieu vivant, sauve-nous. Je vous propose que chacun et chacune, dans ce court instant de silence maintenant, puisse dans son cœur, par l'intercession de Sainte Anne, par l'intercession de Marie, puisse confier au Seigneur ses intentions qui lui sont propres, celles qui nous sont recommandées, celles aussi peut-être que nous avons du mal à formuler parce que nous vivons la solitude, la souffrance, le manque d'espérance. Mais nous avons à nous dire que cela n'est qu'un passage, parce que la résurrection du Christ, la lumière du Christ ressuscité, vient toujours donner sens à ce que nous avons à vivre et vient toujours nous relever.
et avec toute l'Église en prière, nous pouvons et nous osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Le Seigneur soit avec vous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Et qu'avec tous les saints qui nous ont précédés, plus particulièrement Sainte Anne et la Vierge Marie, eh bien nous puissions grandir dans la foi. Nous te le demandons, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En ce temps pascal, nous terminons tous les soirs l'office de Compli, non pas par le Salve Regina, mais par le Regina Caeli, prière de l'Église, prière avec Marie, qui reconnaît la gloire du Christ ressuscité. Regina Caeli, laetare, alleluia, quia quae mero isti portare, alleluia, resurrexit, sicudixit, alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia.